Alors, re-salut à tous, Mister H avec Maxime Reichmann aka Richmonks, le meilleur boxeur français, et Arnaud Ali, qui est mon maître, mon père à Magic, et donc mon deuxième père à Magic, parce que mon autre père c'est KLB, et ils ont fait un enfant car ils sont homo, et c'est moi. Et donc on va commencer cette game. Albright, il a l'air changement, connu, non ? Changement de dernière minute, Arnaud a préféré mettre ce harnais que vous voyez d'ailleurs dans notre main. Et ça va nous péter à la gueule. Et ça nous convainc pas. Soit le country. Non, c'était le Telgia de défiance qui était peut-être mieux ici pour nous faire piocher une carte active. Arnaud qui avait pas tort sur notre curve à 3 grâce à. Est-ce que tu veux garder cette main, Arnaud Ali ? Moi, j'ai pas mulliganer, il y a un skin render. Donc il y a l'élan pour le jouer. On mulligane pas une main, on fait juste skin. D'accord. Ok, toi t'aimes bien cette main aussi. Moi personnellement, je l'aurais gardé. D'accord, et eh bien nous gardons cette main, tout à fait, et nous allons commencer très fort. À préciser qu'on a perdu 4 minutes quand même avec toutes nos conneries. On a perdu 4 minutes parce qu'il faut enregistrer la game, j'étais au téléphone et tout, on fait des trucs de malade. J'ai décroché un contrat là. Je viens de décrocher un contrat. 12 000 euros, il pèse le groupe, comme on dit. Non, on ne parle pas d'argent, s'il te plaît, Arnaud. Ça joue blanc, donc c'est le jeu qu'on aurait dû jouer finalement. Hein. Non. Donc lui c'est un draft du réveillon. Ce n'est pas le jeu qu'on aurait dû jouer car on ne joue pas blanc. Merde, d'accord. Ça a l'air. Voilà. Ça a l'air pas dégueulasse ce qu'il vient de poser finalement. Hein. C'est nul à chier. D'accord. On dirait c'est vomitif. Il draft blanc-vert, un des archétypes les plus mauvais. Si ça se trouve, on va se faire bourrer. Mais il va prendre un fake quand même. Hein. Afflict. Il va prendre Afflict. Ouh, ça draft du lourd. Ça draft du très C'est un charge counter qui fait quoi ça? Ça fait gagner des points de vie. Ça fait gagner des points de vie. C'est ultime contre poison. Va falloir lui mettre plus de 10 marqueurs poison si j'ai bien compris. Non. J'ai mal compris alors. C'est très bon drafter avec quelqu'un qui ne connaît absolument rien à ce format. Alors ça c'est sale, ça va se faire skin rend. On skin rend ça. Ah je sais même pas. Si je pense c'est bien parce que comme ça on peut poser notre corps. T'es en train de lâcher ton first pick sur 3 sur 3 boosters sur une bouse infâme finalement. Non c'est très bien ça. D'accord. C'est très bien si vous faites ça, c'est une très bonne carte. Hop là. Bas côté s'il vous plaît. Ça rentre dans la curve mais ça me fait un peu mal au cœur de lâcher un gros anti-bet. On va mettre Hop là, c'est parti. C'est On a pioché cette fameuse givre. Je sens que ça va nous rentrer dedans. On va faire une 2-1 et on va équiper grâce à cet équipement. Bravo, Arnaud un visionnaire, hein, je l'ai toujours dit. Arnaud, son but c'était de donner ace to bet ace. Mais qu'est-ce qu'il a une chaîne de ouf. C'est de passer sur les scouts. Alors Arnaud, c'est le classique, ça lui rentre toujours dedans, quoi qu'il arrive. Hein, c'est classique. Hein. Bon, on va attaquer avec les deux. Allez, avec les deux, on fait semblant d'avoir un jeu bâtard. Il a quand même 3 cartes en main, hein. Moi je soupçonne... Non, c'est pour pas prendre la Telgia de défense. Non, c'est comme ça, il se dispense. Il se dit peut-être, il croit qu'il va mettre... Il va mettre 6 points. Points de vie alors qu'en fait il a mis 6 marqueurs poison. C'est mental, il y a 7 marqueurs poison. Il y a un Eddy dans le format quand même. Il y a un Eddy dans le format, d'accord. Il coûte 3 juste. Ouais. Et il est blanc ou vert. C'est attacking. Il est passé dans le noir. Attacking, on l'a passé. Hein. On a passé une dispense justice foil même. D'accord. Là il a attesté qu'elle était foil. Il a craqué sa bombe, c'est ça. Et il a craqué sa bombe pour aller chercher. D'accord. C'est un noob finalement, c'est ça que t'es en train de me dire. Il est allé chercher. Excuse-moi, mais Albright, c'est pas très très gros comme pseudo. Hein. Non, c'est bien. Ça veut dire il a même pas le smiley à côté, regarde. Oula, il va nous mettre un point là. Ah non. Je pense qu'il va bloquer. Est-ce que tu penses qu'on va faire cette instill infection? C'est nul ou pas? Non, il peut sacrifier en réponse, ça sera un peu dur. Alors, on va plutôt se saucer avec les deux. Et voir ce qui se passe. C'est parti. I want you in my room. Moi j'aurais dit boum boum. Mayday. Combien il y a de marqueurs poison là? Il y a 3 marqueurs poison. C'est marqué où? Elle est de force 3, ma bête. C'est le truc vert. Là, ici. D'accord, ok. Donc là, il est dans la merde quoi. Il passe à 14 et mine de rien, notre plan point de vie est toujours fiable. Bah non, parce qu'il a un truc qui fait gagner des points de vie, il nous a niqué là-dessus. Hein. Je veux dire, T2, on était déjà mort. Je serais pas jusque là. Ouais. Il veut pas. Ah
Il a craqué ton équipement? Non, il veut pas. Et t'as pas posé ta bête, Junior? Ah, effectivement, je suis un peu faillé, je n'ai pas posé ma... Je pensais que j'avais un corpse cœur en fait, juste en main, j'ai oublié cette bête. Main, mais... J'ai oublié cette bête. Mais c'est pas grave, ça va nous rentrer dans le Non, mais c'est fait exprès. Ah, il joue tricolore et il top deck sa montagne. Non, il allait la chercher avec sa bombe. Mais moi, j'estime que c'est un top deck. Parce qu'en tant que joueur de Stellen, il faut être de mauvaise foi. Eh ouais. Il garde pas de blanc pour gagner du life, hein. Je suis un peu déçu. Non, c'est... il pouvait gagner sans blanc. Bah, il peut payer 2, c'est tout. Mais il y a marqué pour 2 blancs. Non, tu le charges. C'est-à-dire que je peux lui rajouter des comptes. D'accord, très bien. Bah, du coup, cette instill infection ne sera pas utilisée. T'aurais pu la jouer en fin de tour sur une de tes bêtes pour piocher. Tu veux proposer quoi, là, Arnaud? Bah, tu poses une 1-1, tu la ace et t'attaques. À l'ancienne. Non. Ah, je suis pas contre ça. Merci. Donc ça veut dire qu'on perd ce boudoui. On perd comme ça, mais il passe à 6 marqueurs poison, une connerie comme ça, 7 marqueurs poison. Non, c'est bien comme ça. De faire Plague Stinger, machin. Ouais. Ok. J'ai dit ça totalement random et ça me rentre dedans quand même. Hein. Je réfléchis. Je suis déçu, ne réfléchis pas. Ouais, il me reste 5 cartes en main, je connais pas du tout le format, ouais, mais... Oh là là, c'est peut-être pas le meilleur play. Oh, je sens qu'il... Non, c'est bien, parce que ça le force à... À craquer sa carte en main. Attends, ah, l'ancienne d'attaque, bien sûr. Si, parce qu'en fait... Parce qu'il a peur d'un afflic. Il y a afflic dans le format aussi. Toujours pas. Ah, ce 4-4, on a mis des potatoes. Ouais, t'as raison, c'était nul d'attaquer avec ça. Enfin, remarque, il bloque. Non, c'est pas mal, parce que... Et le mec, il prend 5 marqueurs poison, il passe à 2 marqueurs poison. Mais non. Il, a pas, on il est pas infect là, il va prendre les deux marqueurs poison, c'est tout. Ah, la 3-3, c'est pas une infect, d'accord. Fond, on a des corps. Non, on a. Si, nos corps sont ace pour l'instant. Et pourquoi il craque maintenant? Parce que ça lui coûte un verre. Hein. Ouais. Bah, tu sais, le prochain tour, il va peut-être. Oh, il vient de regagner des points de vie. Il vient de regagner des points de vie, ce qui est assez dur hein, contre nous, il faut le dire. Ah, putain, il avait saillé de base en fait, si j'ai bien compris. Ouais. Par contre, ce qui me fait peur, c'est son rouge à chaque fois. Oulala. Ouh, ça sent la rare de merde. Oh, ça n'a pas l'air si merdique en fait. Hein. Un Sunblast Angel, tout à fait. D'accord. Ça détruit toutes les bêtes engagées. C'est assez tarifaire en effet. Donc là, ce serait bien, c'est que tu. Non, bah non, c'est bien, tu poses ta 4-4, tu l'équipes, non, tu poses, non le Corpse Cœur. Je pose Corpse Cœur et. D'accord. Et le 1. Ah, attends, on a quoi comme. On a 2 Ice. Le 1 et le 2 Ice, ouais. C'est pas lourd. Ah, le problème, c'est que sa merde, elle la bloque direct. Ouais, oui, d'accord, je suis d'accord pour la curve. Mais... Non, t'as. Ouais, il faut. Vas-y, récupère. Je pense que c'est ça, hein, c'est Corpse Cœur. Non, récupère le 2. Le 2 1 Ice, tu veux récupérer. Bah, je pense, on fout un peu de Corpse Cœur. Bah, de. Le 2 1 Ice. On s'en fout un peu de. Ouais, c'est pour la coche. Ah, tu peux pas récupérer le zombie? Tu peux récupérer n'importe quoi qui est infect. Ah, j'ai pris. Ouais, j'ai repris ça, hein. Tu voulais reprendre ça, mais je pense que j'aurais pris quand même. J'aurais quand même pris, je pense, le Stinger. Ça lui mettra une pression. Yes. Comme dit un rappeur connu, c'est le son qui met la pression. Ah, en fait, on s'en fout un peu. Ouais, on s'en fout un peu, d'accord. Très bien, pressé. Passe à 15, c'est à peu près le quart de tes. Enfin, t'as les trois quarts de tes points de vie et lui il a la moitié de ses points de vie en poison. Donc on est en train de gagner là. Une mire express. Attaque avec ton 2-2. Je fais un steal. Non, attaque avec ton 2-2, on fera plutôt un corpse cœur. Pour mettre de la pression, garçon. Sur un stinger, c'est parfait. Ok. Allez. Oh, il est pas frais là, faut être honnête. Il a là, s'il chie pas un anti-bête, c'est qu'il est pas frais. Hein. Ah, pardon. Ah, la 3-3. Ah non, Slashing Twain. Ouh, c'est ouais. Du sale ça, quand même, un petit peu. On pose un Corpse Cœur sur Corpse Cœur, hein. Ouais. On est parti. Hein. Ouais, Corpse Cœur sur Corpse Cœur, il faut le faire, de toute façon, je pense, même si. On récupère ce Corpse Cœur. Ok. C'est en train de perdre autant, hein, attention. Ouais, c'est vrai, je suis en train de perdre autant. T'as gagné 2-0. Et il nous propose il gagne du life. De la life encore, putain. Ça devient de plus en plus technique. Ça devient un peu technique, j'aimerais bien voir des landes là. Ce serait pas mal en fait.
pas bloquer. Je décide de ne pas bloquer en effet. D'accord. Protection from Arthos. Voilà, je me rends compte que c'est très très lourd quand même, tel Gilad Fallen. Tel Gilad Fallen ? C'est ouais. Vrai, c'est assez lourd. Ouais. Oh, il prend. Oh là là, mais c'est un guerrier ce garçon. Vas-y, prends la 1-1 et repose là alors. Ouais, c'est tu, exactement tu, ce que je vais faire. Tu es très magique. Ouais. Thème du jeu. Ah, c'est Poison qu'on joue là ? Ouais, on joue Poison. Ah, j'avais pas vu, j'ai cru que vous avez drafté random. Après 20 ans, Maxime Reichmann se rend compte qu'on joue un jeu Poison. Eh bien, on appelle aussi le jeu Poison. On appelle également le jeu Poison. Il est infâme, il joue un truc fin de tour systématique. Ah, il était sale, elle était sale, ça, Sunblast Angel, mais... Ça n'a pas suffi. Hein. Enfin, qu'est-ce que tu penses que ça va pas? Ah, ça c'est bien ça. Alors ça fait quoi ça, cette saloperie? Ça chie des tokens 1-1 poison, justement, en fait. D'accord. Donc c'est un peu relou. Si... Là il attaque, s'il attaque, on a gagné quoi. Ouais, on n'est pas loin d'avoir gagné. Mais il veut pas qu'on gagne. D'accord. Alors là, on peut patater avec. On patate avec tout. Et on a même. Non, 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 il a perdu. Moi je serais toi, je mettrais -1/-1 quand même. Ouais, -1/-1. Ouais. Ça, non, et si tu pioches un land, on a gagné. Je préfère mettre -1/-1 la bête infecte qui va chier. Ah oui. Il va chier oui, la bête vrai. Infecte. C'est vrai, t'as raison. Je suis donc, complètement d'accord. Donc je pense qu'il faut juste attaquer. Donc là, il va passer à 8 marqueurs poison. C'est toujours bien, Magic, d'attaquer avec tout. Même si des fois ça fait perdre. Toujours il y a des phoques dans le format. Il y a des phoques dans le format, ouais. Un peu fatigué. On en a vu des phoques. Je crois pas en avoir vu. Ça se fait un speak pas, je suppose. Pas trop. Enfin, si le mec first pick un fog, on a déjà gagné de base en fait. Si je sur ça. Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qu'il est bon, il a tout vu quoi. Il a tout vu avant tout. Il a. Et... Grâce. Un land oh, grâce. Si on pioche le grâce. Oh, un Wist of Death, merde. J'ai pas de verre. Tu as tapé ta mana comme un poisson non, rouge. Non, parce que je pensais au grâce justement. On s'en fout. Comme on avait deux grâces. C'était off que tu le piocherais pas. Pour ça, j'ai gardé mes deux noirs. Putain, ouais, ça veut bien jouer. Moi, j'y aurais pas pensé, ça me serait rentré dedans, quoi. Comme quoi, les Mickey ont toujours raison. C'est poison, en même temps, tu fais jamais de mauvais choix, parce que le pire, il y a les compteurs. Et là, il tape sa mana, c'est pas bon signe. Hein. Peut-être qu'il y a des points de vie, je sais pas. Il va donner first strike. Non, même pas. Il vient taper de 2 blancs, je vais taper de 2 blancs ou 3. Peut-être ah, s'il veut faire un dispense justice, je vais sacrifier la... Oh, sous le pari. Le fuck, oh, l'enfoiré. Oh là là. J'ai rien vu venir. Ah, oh, il est sale sur ça. Ouais. C'est toujours toi qui se gagne la coupe, ça. Ah ouais. Il est relou. Ça. Mais il a qu'une carte en main. Je nous sens frais, hein. Moi je nous sens frais personnellement. Le truc c'est que son là s'il se met attaqué, il est pas bon. Là il nous tue en 3 tours, il va chier des bloqueurs encore. On est pas mal, mais on est pas non plus. T'as du haste hein, aussi. Hein. Ouais, il nous tue en 4 tours maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ah, il a pas fait ça sur. Je croyais qu'il avait fait ça comme ça. Ah, le infect ça met du -1/-1 sur les bêtes aussi. Oh, un land ça fait plaisir quand même. Du coup là on peut faire Black Cleave, patater avec tout, ouais. Et on a un Ikorat sans backup, c'est ça? Ouais un Ikorat et un Wingspan Devs qu'on va peut-être jouer aussi. Oh Ikorat non, on peut pas faire les deux, on fait Black Cleave quelque chose. Oui, mais on verra. Non, mais... Peut-être on va jouer Wingspan Devs. Non, on le jouera. Wingspan machin? Ah d'accord. Allez. 1, 2... Moi j'aurais mis la 2-3 moi si je pouvais, hein, non? Ouais, c'est pas ça le délire, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. La d'attaque, tu mets 2-3 histoire et de... Et le poison, c'est pas compliqué à jouer. Bah moi j'ai tout de suite compris. Hein. Ouais, je pense que t'as raison, il faut jouer la Wist of Death en fait. Je sais pas. En fait. Si, je crois pas, en 2-3 c'est quand même... Tu veux sauver une 2-2 ou poser une 2-3? Non, je veux sauver une 2-2. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas poser une 2-3? C'est mieux une 2-3 qu'une 2-2. Surtout que après ça nous contre inverse, c'est un peu curvé. Allez. Donc là il fait des chum blocks à l'ancienne. Hein. Ça s'appelle toujours chum block? Ouais. D'accord. Ça s'appelle toujours la même chose. Ah oh, c'est ça le poison hein. C'est-à-dire que là s'il bloque avec son ange il va prendre 2 tokens ever. La prochaine. Oh aïe. Ah oh, c'est sale quand même poison. Ah c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué à jouer en effet poison. On attaque avec tout et puis il peut pas faire de mauvais. Là tu viens de lui péter une rare en 2 attaques quand même. Une rare de porc. Ouais, il a tué 4 bêtes quand même. Oui ça c'est vrai, ça je suis d'accord. Ça vaut des tics? Est-ce qu'il s'est remboursé avant de perdre? Sunblast Angel, non, ça vaut pas beaucoup. D'accord, donc il a tout perdu finalement. Je sais pas s'il a tout perdu. Ah sur un. Aïe 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 aïe. Un point. Oh non un boost.